On avait déjà vu une première technique de découpe du citron, donc la version en zigzag et la version avec le petit nœud. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux autres versions de découpe. On se reprend un citron. On se rappelle qu'on découpe toujours les extrémités du citron pour leur permettre une tenue plate sur l'assiette. Nous allons faire une première variante où je découpe jusqu'à sa moitié. Je retourne de l'autre côté, je découpe à un tiers jusqu'à la moitié, donc là j'ai un tiers, là j'ai deux tiers. À l'opposé, j'avais pareil, deux tiers, un tiers. Je prends sur le côté et je vais rejoindre, je fais pareil à l'opposé. Je n'ai plus qu'à séparer mes citrons, j'ai une espèce de découpe en escalier. Une variante à peu près similaire, toujours pareil, on découpe les extrémités. Sauf que là, au lieu de découper parallèlement au plat, je vais découper en biais. Jusqu'à la moitié du citron, je fais bien un demi-tour, toujours dans le même sens. Une découpe jusqu'à la moitié du citron. Et ici, il va falloir que je rejoigne des extrémités. Je vais au centre, à l'opposé, fais la même chose. Je n'ai plus qu'à séparer, j'ai une version qui est encore plus agréable que la première. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon allez, salut les filles. Alors, cette vidéo vous a plu? Sûrement, si vous êtes encore là. Maintenant, il vous reste deux choses à faire. D'abord, cliquez pour vous inscrire sur Facebook et YouTube. Ensuite, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt.